Ils ne retiendront jamais la leçon. Prends ça, Kado. Qu'est-ce que tu en penses? J'ai plutôt le sentiment que quelque chose ne tourne pas rond. Elle nous a dit qu'il ne venait jamais. Pourquoi? Était-ce trop douloureux ou y avait-il autre chose? C'était un lieu paisible, à une autre époque. Avant le cauchemar, tu veux dire? Allons jusqu'au fort, te trouver de quoi te réchauffer. Qu'est-ce qui rôde ici? Au travail, bannisseur. Ennui droit devant. Des spectres attaquent le fort. Ne reculez pas! Cessez le feu! Il n'est pas mort! C'est qui? Shepard, j'ai dit d'arrêter! Que le diable t'emporte! Je crois que j'ai entendu le bruit d'un fusil qu'on arme. Personne n'entre, personne ne sort, mort ou vivant. Je m'appelle Red Macres. Je suis bannisseur, comme vous pouvez le voir. Ouvrez, j'ai un problème à régler à l'intérieur. Votre problème, si je peux me permettre d'énoncer une évidence, c'est pas mon problème. J'ai mes ordres et je ne peux pas vous laisser entrer. Je comprends, l'ami. Qui êtes-vous? Je m'appelle Andrew White. J'ai beaucoup de sympathie pour les Écossais. Mais comme vous le voyez, je suis de service. Et quand je suis de service, je suis pas votre ami. Écoutez,
Les gens ont assez de problèmes ici et je vais pas désobéir aux ordres. Price ou Pennington me pendraient pour ça et je n'y tiens pas. Pennington me connaît. Il saura que je peux aider. Je n'en doute pas. Mais pour chaque mort qu'on élimine, il en arrive trois autres le lendemain. La victoire est toujours de courte durée ici, voyez-vous. Bref, le capitaine est souffrant, et il est hors de question que j'ajoute vos problèmes aux nôtres. Vous voulez nous aider? Madame Price et son groupe devraient déjà être rentrés. Vous pouvez pas manquer l'avant-poste, il surplombe la vallée. Si vous pouviez la retrouver, et faire en sorte qu'elle revienne vivante, ça vous ouvrirait bien des portes. Au sens propre, comme au figuré. Si j'ai bien compris, il faut que je la retrouve et que j'élimine les ennemis alentour pour qu'elle puisse sortir de sa cachette. C'est jouable. Le fort est attaqué par des spectres. Nettoyons leurs repères pour régler ça. Et ensuite, on ira chercher ceux qui manquent à l'appel. Bon. Je reviendrai sûrement. Trouvez nos amis, bannisseurs. Ou abrégez leurs souffrances. J'essaierai. Dès que je me serai occupé du nid de spectre, je partirai à la recherche de l'avant-poste. La mort frappe à leur porte. Ça ne m'étonne pas qu'ils ne veuillent pas ouvrir. Ils n'ont pas le choix. Ils seraient dépassés par une nouvelle attaque. Le nid ne doit pas être loin. Il y a une piste à suivre dans la neige. On devrait fouiller l'endroit dans ses moindres recoins. En voilà d'autres. Le petit déjeuner est servi, les garçons. Pas de nulle part. Est-ce qu'on en a oublié ? Nous y sommes. Remplis le trou. Enterre-les tous.
Ça devrait leur laisser un peu plus de temps. Espérons qu'il ne soit pas trop tard pour la fameuse Madame Price. C'est coincé. On dirait que tu vas devoir marcher. On dirait bien. Je me demande combien ils sont dans le fort. Chaque jour un peu moins, j'imagine. Mais bon, c'est mieux qu'ils soient dedans que dehors. Ces montagnes sont envahies de spectres. L'équipe partie à la recherche de provisions est vraiment passée par là? Ça expliquerait pourquoi ils ne sont pas revenus. Quelque chose de spectral dans le coin. Celui-ci n'est pas mort depuis longtemps. Espérons qu'il reste comme ça. Ils ont amené des amis. Attention, j'en vois un autre. Jamais énervé. Thank you.
pistolet est cassé. Derrière toi. Le diable t'emporte! Attention! Une possession spectrale! Tu es sûr que tu n'es pas blessé? Ça va. N'en fais pas tout à plat. Vous tombez à point nommé. Vous devez être les bannisseurs d'Askel. Merci, à tous les deux. Vous pouvez me voir ? Je vous vois parfaitement. Tout comme je peux voir... Voici mon mari. Je suis Ellen Pris. Antea Duarte. Voici mon partenaire, Red MacRace. C'est rare que les vivants puissent voir les morts errants. Tout ce que je sais, c'est qu'un beau matin, mon Sébastien était revenu. Après 7 longues années de deuil. C'était comme si mes prières avaient été exaucées. Ça me suffisait. Quand les temps sont dangereux, je suis tenu de protéger la femme que j'aime. Vous me comprenez ? C'était comment pour vous ? Après ma mort, j'ai comme flotté hors du temps, sans vraiment savoir ce qui m'arrivait. Je flottais hors du temps. Oui, c'est exactement ça. Exactement. L'amour triomphe toujours. C'est tout ce qui compte. C'est Andrew White qui nous envoie. Il pensait que vous aviez des problèmes. Apparemment, vous aviez besoin de votre ange gardien. On en avait besoin de plus d'un. Grâce à vous, le campement aura à nouveau des provisions. Matthews et Williams ne sont pas morts en vain. L'expédition était risquée. Mais Ellen n'avait pas le choix. Si les survivants devaient seulement dépendre de Pennington, le fort serait déjà tombé. Je comprends bien. Parfois, il faut prendre des décisions difficiles. C'est courageux. Tout le courage du monde est inutile. Si ceux qui commandent n'en ont aucun. Pennington tergiverse pendant que des monstres assiègent le fort. Mais sachez... que tous ces morts sont sur la conscience de Pennington, s'il en a une. Comment ça ? Il y a 7 ans, une épidémie a frappé New Eden. Pennington a isolé les malades dans les mines. Il les a enfermés. C'était une période sombre. Les temps étaient durs. Personne ne savait de quoi serait fait le lendemain. On a tellement perdu. Beaucoup trop. Sébastien a proposé de rester avec les malades. Emmuré avec les autres, c'est lui qui a tenu le plus longtemps. Il est mort en héros. Maintenant, les abandonnés sont de retour. Ils réclament vengeance. Comment les blâmer ? Je les ai vus mourir. Les soldats, mineurs, malades, affamés, implorant une aide qui ne viendrait jamais. Le capitaine Pennington a beaucoup de sang sur les mains. Je suis désolé. Vous en avez bavé. Oui. C'est toujours le cas. Et on persévérera jusqu'au bout. On devrait retourner au fort. On va vous escorter. J'ai dû nous enfermer en cassant la manivelle. S'il y a une sortie, nous la trouverons. C'est comme tomber d'un tronc après avoir été effrayé par un feu follet à Akersh. Impressionnant. Les bannisseurs, c'est vraiment quelque chose. C'est elle qui fait tout. Moi, je fais qu'aider.
Les doigts dans le nez. Et les bonnes manières, alors. Il y avait un bannisseur dans les troupes de mon père. Il disait que ça faisait du bien au moral. Les soldats traînent souvent des fantômes derrière eux. Les guerres sont bonnes pour nos affaires. Je reconnais un soldat quand je le vois se battre. J'imagine que vous vous êtes rencontrés comme ça. Je n'ai jamais travaillé pour l'armée, mais c'est plus ou moins ça. Caisse de poudre. Pennington nous a fait tomber bien bas. Si vous ne l'aimiez pas, pourquoi l'avoir suivi ? J'ai suivi sa réputation, mais ce n'est plus le même homme. Qu'est-ce que vous auriez fait à sa place ? Ce que je suis en train de faire. Il se cache derrière ces murs à attendre qu'ils s'écroulent. Moi, je me bats pour vivre. On se bat pour nos vies, et le capitaine nous en empêche. Ces conflits internes mettent la stabilité du fort en péril. C'est un risque nécessaire pour notre survie à tous. Mais je suis d'accord. On doit y mettre fin. Vous pouvez laisser les caisses. J'enverrai quelqu'un les récupérer. La route devrait être calme. Nous avons détruit le nid de spectre. Quel soulagement. Suivez-moi. Allez parler à Pennington. Essayez de lui faire comprendre, si vous y arrivez. Où est-ce que je peux le trouver ? Il se cache dans son bureau. Vous le trouverez là-bas. Où sont les autres ? Williams et l'autre gars. Matthews, on est tombé dans une embuscade. Ils sont morts. Que Dieu ait pitié de leurs armes. Il y a des munitions dans l'ascenseur. Envoie Shepard et Abbott les chercher. Salutations. Bienvenue au... Un pet. Oh. On parle affaire ? Avec plaisir, monsieur.
que... Pas de Ferdinando ici. Capitaine Pennington ? Pas le temps. Pas de sortie possible. Pas d'espoir. Pas d'entrée possible, pas de temps du tout. Capitaine Pennington. Monsieur MacRaes, vous êtes vivant. Il y a encore beaucoup à faire. Du travail ? Vous aviez du travail, une mission. Redonner une dernière lueur d'espoir, réjouir nos cœurs avant qu'on sombre tous dans les abîmes. Vous ne nous avez pas aidés, cachotier de merde. Le travail est terminé. Il n'y a plus d'espoir ni de temps. Il ne reste plus que les abîmes. Bienvenue au barreau d'honneur, MacRaes. Bienvenue à la fin. Je n'abandonnerai pas maintenant, capitaine. J'ai trouvé Hélène Prise. On a ramené des provisions. Vous vous êtes fatigué pour rien. Détrompez-vous. Nous avons sauvé une vie. Avec des provisions, vous pouvez en sauver d'autres. Pourquoi ? Pour tenir quelques jours, quelques semaines au mieux. Vous n'avez sauvé personne. Vous avez prolongé le cauchemar. Les morts viendront. On sentira bientôt leurs doigts osseux se resserrer sur nos gorges. La fin est inévitable. Elle est inévitable si vous ne faites rien. Vous êtes en charge, prenez les rênes. Vous n'allez pas rester là à rien faire. Vous parlez comme Pris. Elle a changé. Depuis qu'elle est revenue à Fort Jericho, elle est devenue impulsive. Irrationnelle, agressive. Je pense qu'elle n'a pas complètement fait le deuil de son mari. Son retour semble avoir rouvert la plaie. Une plaie qui suppure. Elle rejoindra le lieutenant bien assez tôt. Quand nos défenses se seront complètement effondrées, les abîmes nous avaleront tous. Comment ça se présente, capitaine, de votre point de vue ? Il y a eu peu de changements. Les morts affluent des mines. On leur tire dessus, ce qui nous donne un peu de répit. Puis l'assaut reprend. Notre disparition approche à grands pas. On ne peut pas plus vaincre les morts que les vagues de l'océan. Vous devez au moins essayer. On a peu de choses, mais on est encore vivants. Comment pensez-vous que c'est possible ? On tient du mieux qu'on peut. On résiste jusqu'à ce que le châtiment émerge des abîmes et nous entraîne tous en enfer. Eh bien, ça donne envie d'attendre. Je ne vois pas l'intérêt de rester dans cette lente agonie. C'est malheureux. Car à cause du temps que vous nous avez fait gagner, l'agonie n'en sera que plus lente. Permission de prendre congé, capitaine ? Et si je refuse ? Vous tentez de me recruter, capitaine ? Vous pensez vraiment que j'accepterais l'argent du roi ? Si je vous offrais assez, vous accepteriez. Je n'ai pas besoin de nouveaux lieutenants. Mais si vous voulez rester, je vous y autorise. Cette clé ouvre la vieille tour de guet, votre cantonnement, tant que vous êtes là. D'un côté, on a un capitaine exténué. De l'autre, sa rivale, rebelle et hantée. Dans un fort assiégé de spectres vengeurs. Hélène m'inquiète. Le retour de Sébastien lui a retourné le cerveau.
Bannisseur, je peux vous parler ? Hélène, il y a un problème ? Excusez-moi d'avoir perturbé votre repos, mais ça ne peut pas attendre. Qu'avez-vous pensé du capitaine ? J'ai vu un officier esselé. Un homme fier devenu glacial. Sans doute après des années de guerre. J'ai vu un homme brisé. Je n'ai certainement pas vu le tyran dont vous avez parlé. L'inaction est une forme de tyrannie. Il ne veut pas agir, mais refuse de nous laisser le champ libre. Vous avez raison. Mais le capitaine a besoin d'aide. Moi aussi, j'étais un soldat. Brisé et hanté. Avec l'aide d'Antea, je m'en suis sorti. C'est ça dont Pennington a besoin. Je me charge de Pennington. Les habitants du fort ont besoin de votre aide. Vous êtes bannisseur. Vous avez dû remarquer les morts qui frappaient à nos portes. J'aimerais que vous alliez voir dans la mine ce qui les enrage à ce point. Que vous fassiez ce que le capitaine refuse de faire. Et pendant que l'on s'occupera des hordes de spectres enragés, qu'est-ce que vous allez faire ? Quand la mine sera nettoyée, je nous débarrasserai de Pennington. Où est-ce qu'on doit aller ? Il y a un deuxième tunnel qui mène dans la mine. L'entrée a été murée pendant la quarantaine. Ce ne sera pas simple, mais vous devriez pouvoir détruire la barricade sans trop de mal. Ensuite, Dieu seul sait ce qui vous attend. Et on repart sous terre. Magnifique. Si ça peut vous rassurer, je prends aussi des risques. Le capitaine a une légère tendance à enfermer des gens et les laisser croupir. Il y a quelques années à New Eden, il a fait enfermer une pauvre innocente. C'est un sort que je préfère éviter. Pennington le geôlier. Vous parlez de Deborah ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Je n'étais pas à New Eden à l'époque.
La rumeur disait que c'était une sorcière. Et le capitaine aussi. Le tribunal était du même avis. Impossible de savoir pourquoi il a agi ainsi. C'est un homme mystérieux. Il l'a toujours été. On devrait y aller. C'est entendu, Anska. Quand vous serez prêt, vous irez enquêter dans la mine. Prenez le téléphérique jusqu'à la cascade, près de l'avant-poste où vous m'avez trouvé. Le tunnel ne sera pas loin. Soyez prudent et bonne chance. Une innocente. Emprisonnée. Oui, c'est des jolis pots de loup. Mais j'en ai déjà assez comme ça. Et puis... Un acte barbare. Un officier se doit d'être juste. Sans quoi tout s'effondre. Hélène a raison. La vérité se cache quelque part par ici. Je pense que Déborah fait encore des siennes. Combien de fois on va encore se disputer, Abigail ? Combien de fois on va s'engueuler comme ça ? Voilà une boutique. Celle de Ferdinando. C'est fermé. Il y a quelqu'un ? Personne. Des documents au nom de Miller. On est au bon endroit. Continue de chercher. Il fabrique des amulettes de protection. Il fabrique des babioles sans intérêt. Et il se donne bien du mal pour l'éloigner. Peut-être a-t-elle essayé de lui faire du mal ? Bon, fouillons la boutique. Je ne pensais pas trouver des marchandises d'aussi bonne qualité. Il ne doit pas rester. Le testament de Rebecca. Elle était riche. Et elle lui a tout laissé. C'est comme ça qu'il a pu acheter son stock. Touchez à mon argent. Et je vous abats. Qu'est-ce que vous faites là ? Vous venez rapiner, je parie. Je ne suis pas un voleur, monsieur Miller. Je suis le bannisseur. J'ai ramené Hélène Price au fort. Un bannisseur. Les voleurs mentent. Comment vous connaissez mon nom ? Ça fait partie de mon travail. Red MacRace. Si vous êtes bannisseur de fantômes, j'ai du travail pour vous. Je vous paierai. Oui, je suis au courant pour Rebecca. C'est elle qui m'envoie vous trouver. Elle s'inquiète pour vous. Elle dit qu'elle vous aime. Mmh. Et moi, je vous dis que ce sont des conneries. Si ce n'est par amour, pourquoi vous a-t-elle légué sa fortune ? Peu importe pourquoi. Vous êtes bannisseur. C'est votre travail de vous débarrasser d'elle. Vous ne pouvez pas simplement faire votre boulot ? Du calme, monsieur Miller. Bon, d'abord, je vais devoir examiner les affaires de Rebecca. Je les ai vendues. J'ai tout vendu. Vraiment ? À qui ? J'en sais rien. À ceux qui en voulaient. J'ai tout noté. Dans mon registre. Lisez-le si vous voulez. Vous ne vous êtes pas ménagé pour protéger votre maison, n'est-ce pas ? Vous avez fouiné dans mes affaires derrière mon dos. Je sais ce que je fais, alors je vais être généreux et vous dire la vérité. Rien de tout cela ne fonctionne. Ni la couronne, ni l'amulette. Ça ne sert à rien. Mais c'est joli. Sa broche fonctionne. Ça fonctionne. Elle n'est pas revenue. Je peux dormir tranquille. Je l'entends m'appeler, murmurer mon nom. Je me réveille et la trouve au pied de mon lit. Nos regards se croisent et elle me fixe. Elle ne veut pas me laisser en paix. C'est une Nekichi, un démon. Bannissez-la. Je vous paierai. Il faut bien que je travaille, c'est entendu.
Vos marchandises ont l'air de bonne qualité. On parle affaire ? Ah, mon ami. Là, vous me faites plaisir. Au revoir à vous, Monsieur Miller. Vous savez où me trouver. Si vous achetez, je vends. Il a tout vendu. Tout ce qui lui appartenait. Et rapidement. Pourquoi était-il aussi pressé ? Si on arrive à retrouver ses affaires, on en saura plus. La boutique d'Ingersoll et la forge. C'est noté. Voyons voir. Ferdinando était esclave. Elle était sa maîtresse. Il veut faire table rase. Tabula rasa. On sait où aller. Direction la caserne. Puis la plume résonne. C'est sans doute un écho. Je ne reconnais que mon nom dans la liste. De la famille éloignée, mais je ne peux pas les déshériter. Jamais je ne te demanderai ça. Notre rencontre est déjà tout ce dont j'aurais pu rêver. Si jamais je te perdais, Dieu nous en préserve, je chérirais tout ce qui me rappellerait ton souvenir. Voilà. Si jamais tu me perdais, tout ce que je possède serait à toi. A soutenu qu'il ne l'aimait pas. Pourquoi mentir ? Peut-être qu'il disait vrai. Peut-être qu'il faisait semblant de l'aimer. Voyons voir ce qu'il a à en dire. Bannisseur ? Rebecca vous aimait. Mais ce n'était pas réciproque. C'est ça ? J'étais son jouet. Un chien collé à sa maîtresse, espérant qu'elle donne du mou à ma laisse. Elle disait qu'elle m'aimait. Je lui ai donné à croire que je l'aimais aussi. Je faisais le beau. Je la laissais me cajoler.
J'étais un bon chien. Vous lui avez menti pour profiter d'elle. Pour un esclave, une miette de liberté et un goût de festin. Vous auriez fait pareil, et je le referais sans hésiter. En feignant vos sentiments pour Madame Hartgrave, vous avez gagné bien plus que la liberté. Elle vous a aussi rendu riche. Alors qu'elle agonisait, Rebecca Hartgrave m'a donné ma liberté. Avant ça, j'étais son esclave. Comme c'est romantique. Sans le capitaine, les bonnes gens de New Eden m'auraient simplement laissé mourir. Assez discuté. Il est temps de vous remettre au travail. Je ne vous paie pas pour rien. C'est pour ça que vous me payez. C'est ça mon travail. Mais j'ai l'impression que c'est le résultat qui vous intéresse, pas la méthode. Vous voulez que je finisse mon travail ? Alors je dois tout savoir. Le fantôme doit se manifester. Je n'aime pas ça du tout. C'est même l'idée la plus foireuse que j'ai jamais entendue. Allons, brisez la broche et finissons-en. Je n'ai pas d'autre choix. Finissons-en. Pour que je puisse passer à autre chose. N'approche pas! Je ne comprends pas. N'es-tu pas content de me voir? Maintenant, bannisseur! Finissons-en! Pas maintenant. Vous devez entendre la vérité, tous les deux. Et maintenant que j'y pense, Rebecca, vous aviez oublié de nous dire que Ferdinando était votre esclave. Qu'il vous appartenait. Mais je l'aimais! J'étais esclave! Je n'étais pas libre de partir! Où est l'amour là-dedans ? Qu'est-ce que tu racontes ? On s'aimait ! Non ! J'ai simplement dit à ma maîtresse ce qu'elle voulait entendre. Je lui ai menti sciemment. Je te prenais pour une idiote. Mais non. Tu as choisi de me croire. Mais pas complètement, hein ? Tu avais des doutes. C'est pour ça que tu ne m'as jamais affranchi. Je t'aimais et tu m'aimais. Ce n'était qu'un bout de papier. Un bout de papier et... une garantie. J'avais besoin d'une garantie. Tu ne connais pas l'amour. Tu ne connais que la peur. Celle de ne pas être désiré. Remarqué. Celle d'être seul. C'est très humain de votre part, Madame Hartgrave. Mais ce n'est pas une excuse pour s'approprier quelqu'un. Il est grand temps de mettre fin à cette histoire d'amour. Ferdinando Miller, ce monde vous a forcé au mensonge. Vous l'avez vécu pleinement. Et vous êtes finalement victime d'une hantise. C'est votre présence qui retient ce fantôme ici. Non ! Laissez-le ! C'est une fantôme. Débarrassez-vous d'elle. Quoi ? Non. Non ! Vous n'avez pas le droit ! Vous n'avez pas le droit de faire ça! Je suis libre! Je n'ai rien fait de mal! Vous, non. Mais moi, si. Allez au diable. Les hommes comme moi n'ont pas leur place dans votre monde. Vous ne comprenez pas. Vous ne pouvez pas comprendre. Vous avez choisi une vie d'assassin. Lequel d'entre nous mérite la mort, bannisseur ?
On vous doit une fière chandelle, monsieur. Aucun doute là-dessus. Grâce à vous, on peut souffler un peu. Ce qui n'est franchement pas de refus. Ça va, soldat? Vous avez l'air épuisé. Les morts ne dorment pas, pareil. Et je ne les empêcherai pas d'arriver en dormant. Personne d'autre ne peut vous relever? On manque déjà assez d'hommes. Et puis, je sais me reposer en montant la garde. Astuce de vieux soldat. Je ne vais pas tourner autour du pot. Je pense que vous êtes hanté. La bonne nouvelle, c'est que je peux vous aider. Le bannisseur pense que je suis hanté, hein? Non, je ne suis pas assez important pour ça. Je ne suis personne. Je ne mérite aucune aide. Vous perdriez votre temps, de toute façon. Tu l'as entendu? Il ne veut l'aide de personne. Je ne vois pas de raison de lui forcer la main. Pour le moment, en tout cas. Repos, soldat. Un soldat qui sommeille en moi voudrait l'aider. Allez, commençons par ces quartiers. Bon, où se cachent les affaires d'Andro? Une médaille, décernée à un courageux soldat. Je crois qu'on a trouvé les affaires d'Andro. Pour l'instant, c'est notre meilleure piste. Je me demande s'il y a une infirmerie. Après ça, ça vaudra le coup de chercher son livret militaire. L'armurerie m'a l'air bien vide. On dirait que quelqu'un a vécu ici. Une remise. Fermée à clé. Bien, Monsieur Peabody, je vais vider le premier furoncle. Vous êtes prêt? Tu me poses toujours la même question. Non, je suis pas prêt. Parfait. Alors je commence. Fais gaffe, bordel! Attention! Ah! Je sais, je sais. Présent à être hanté, c'est long. White doit avoir une volonté de fer.
Il n'en a jamais parlé. Ça a dû être un enfer. Une idée de qui pourrait être ce fantôme? On reconnaît un soldat à son nombre de victimes. Ça pourrait être n'importe qui. Un morceau de ferraille, en échange d'une vie de sacrifice. Je parie qu'il préférerait pouvoir dormir. Au moins, il est rentré chez lui. Ouais, il a eu cette chance. Je vais aller voir Andrew. Ça lui remonterait peut-être le moral. Il y a une serrure, ce qui veut dire qu'on a besoin d'une clé. Vous auriez du petit déjeuner. Bonjour, au fait. Je suis Antea Duarte, et voici Red MacRace. Nous sommes bannisseurs. Qui êtes-vous, et que voulez-vous? C'est vous qui hantez Andrew White? Ça veut dire oui ou non? Vous avez choisi de vous manifester. Pourquoi? Vous avez besoin d'aide? Qui êtes-vous? Ça ne va pas être simple, je crois. Les fantômes muets prennent un temps fou. Ça ne sert à rien. On chasse à l'aveugle sans aucune piste. Il faut d'abord savoir ce qui l'empêche de parler. Andrew ne va pas nous être utile. Mais si notre ami ne peut pas nous dire ce qu'il veut, il peut essayer de nous le montrer. Vous voulez qu'on vous suive? Je crois bien qu'il veut qu'on le suive. Il a laissé des traces. Très malin. Je vais ouvrir l'œil pour ne pas les manquer. Continuez par là. Ça me rappelle l'une de mes premières affaires. Le fantôme était muet parce que la personne qui l'hantait refusait de parler. Celui-ci ne dirait rien à cause d'Andrew? Je n'en sais rien. Peut-être. C'est par là.
Le fantôme qui hante Andrew semble faible. Prolonge-t-il la torture pour mieux en profiter? Ou se retient-il par peur de trop se nourrir? Si le mien avait été aussi gentil, j'aurais peut-être pu dormir la nuit. Tu es lourd. Même son père, ce sont les pires. Ils dépérissent au long des années, voire des dizaines d'années. C'est une fin atroce. C'est un problème de moi. Ou alors, il nous mène en bateau. Il veut que nous le suivions. Il y a des inscriptions spectrales sur le mur. Regarde. Notre fantôme ne cherche pas à se venger. Voilà qui nous simplifie la tâche. Joshua Gouge, parti trop tôt. Qu'est-ce qui aurait dû être dit? Joshua Gouge restait plus longtemps que prévu. Il nous conduit quelque part.